Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Apparition du visage de Jésus sur une montagne. Au Mexique, à Santa Rosalia, dans le golfe de Californie, le visage de Jésus est apparu sur une montagne. Les habitants ont très vite compris qu'il s'agissait d'un miracle. Lors de sa dernière apparition, le 25 septembre 2021, la Vierge de Medjugorje a donné sa bénédiction maternelle. Donc, toutes les personnes qui ont prié à 18h40, d'ailleurs moi, Marie, est venue me chercher car à 18h40, j'ai pensé à son apparition alors que j'étais occupé à autre chose, donc je me suis mis en prière. Je pense qu'elle voulait me donner à moi aussi sa bénédiction maternelle et peut-être aussi qu'elle voulait que j'en parle. Concernant sa bénédiction maternelle, dans ses anciens messages, elle dit « Recevez bénédiction, force et amour. Portez-les dans vos familles et dans vos maisons. À chacun d'entre vous, j'accorde une bénédiction spéciale. Continuez dans la joie, la prière et la réconciliation. » Ce qui veut dire que vous devez donner cette bénédiction maternelle à toutes les personnes que vous aimez en disant « Je transmets la bénédiction maternelle de la Sainte Vierge Marie à mon frère Henri, par exemple. » Marie a dit que ceux qui ont reçu cette bénédiction peuvent la transmettre à d'autres personnes, ces dernières pouvant la transmettre à leur tour, et ceci à l'infini. On ne peut bénir les personnes qu'une par une et non pas par groupe. Il n'y a pas de formule particulière pour transmettre la bénédiction. On dit simplement « Recevez la bénédiction spéciale et maternelle de la Sainte Vierge Marie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » On peut transmettre cette bénédiction à distance, à des inconnus, à des amis ou à des membres de notre famille. On peut également la transmettre en silence ou sans le dire aux personnes concernées. Plus cette bénédiction est transmise, plus elle est puissante pour la guérison physique et spirituelle. Jésus lui-même est venu chercher la bénédiction de sa mère pour avoir de la force avant d'être cloué sur la croix. Cette bénédiction donne de la force et de l'amour. Autre chose. Il y a des personnes qui oublient les mots ou se trompent de mots pendant la prière. Cela n'a aucune importance pour Dieu, car lui, il lit dans votre tête. Il ne s'arrête pas aux mots. Si en disant votre prière, vous parlez de Jean, alors que vous vouliez dire Pierre, Dieu comprendra très bien qu'il s'agit de Pierre. La meilleure prière que vous pouvez faire, c'est votre prière personnelle, et non pas de réciter les prières des autres, car quand c'est votre prière, il y a plus d'amour et de sincérité, même si vous vous trompez. Les prières écrites par les autres doivent vous aider quand vous ne savez pas quoi dire. Oui, ce sont des belles prières avec des belles phrases, mais Dieu préfère que vous disiez « Prie mon Dieu pour mon frère qui est très malade et qui souffre » plutôt que « Ô mon Père, toi qui es le Créateur de toutes choses sur la terre et qui a transmis de l'amour dans tous les cœurs, viens aider mon frère qui est tendre et gentil, viens l'aider à ne plus souffrir car il n'a pas mérité ça. Je te remercie sincèrement de l'aide que tu vas lui apporter. » Ce qui compte, ce n'est pas les belles phrases. Ce qui compte, c'est d'être sincère, vrai et de croire que Dieu va réellement intervenir sans oublier votre pureté. Oui, il y a de très belles prières écrites par des saints. Mais voilà, ce ne sont pas vos mots à vous, des mots qui viennent tout droit du cœur, de votre cœur. Personne ne peut remplacer votre propre prière, même si vous ne les trouvez pas jolies, ou même si vous estimez qu'il y a d'autres prières beaucoup plus belles que les vôtres. Petite information pour les Italiens. Il existe un groupe Facebook qui s'appelle La Madonnina nel Mondo, que je trouve très sympathique. La création.
Bonne nouvelle! Il existe enfin un livre en français et en italien avec tous les messages de Medjugorje de 1981 à 2021. Cela intéressera toutes les personnes qui veulent suivre la Sainte Vierge et tous ceux qui veulent se former à l'école de Marie. Il est sur Amazon avec le titre « Tous les messages de Medjugorje ». Vous pouvez le trouver en faisant une recherche avec le titre du livre sur Amazon. Je mets aussi un lien sous la vidéo dans la description. Jésus et Marie. Si vous voulez me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle, voici mon adresse mail remy.croassier@orange.fr. Question. Quand je prie, je ne peux pas m'empêcher de dormir. Comment faire? Réponse. Déjà, il faut savoir que Marie adore les gens qui s'endorment pendant la prière. Car ils prient pendant leur sommeil et ils se réveillent même en priant. En général, cela fait craquer Marie. Sinon, vous pouvez mettre une musique de fond. Ou alors changer les paroles de la prière. Par exemple, notre Père devient « Toi mon Papa du ciel ». Ou alors, vous pouvez chanter votre prière sur un air connu sans changer les paroles de votre prière. Jésus et Marie. Fermez les yeux et répétez après moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.